Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Splinter Cell Blacklist. Oh yeah, nous sommes le vendredi 23 mars si je ne dis pas de bêtises, et je vous fais cette petite vidéo, donc pour continuer le let's play que j'ai repris récemment sur Blacklist. Alors aujourd'hui j'ai hésité entre, pardon, tourner du Blacklist ou du Hearthstone, mais je vous rappelle que demain, samedi 24 mai, je vais streamer le soir à partir de 21h30 et je pensais faire du Hearthstone. Alors, je me suis dit, autant ne pas tourner du Hearthstone maintenant et attendre une semaine ou deux pour vous faire des vidéos, vu que je streamerai dessus. Alors, il m'est venu l'idée de jouer à Blacklist parce que j'avais envie, j'ai regardé une vidéo hier, notamment pour ceux qui connaissent de Mr. Derive, enfin de Monsieur Derive, qui a donné ses impressions au sujet de ce jeu. Et donc ça m'a vraiment donné envie d'y jouer. Résultat, voilà, vous comprenez la suite. Donc on va se faire une mission de Blacklist. Et c'est parti, en avant. On va continuer l'histoire principale, hein, la campagne. American Consumption. Contre-espionnage. D'accord, donc je vous rappelle qu'il y a toutes les missions secondaires, bien sûr, et les missions multijoueurs, mais... Ah, c'est quoi ça? Terroriste, milliardaire, coop solo, Grim... Ah oui, ça c'est Grim. Moi, je veux faire la campagne, la campagne solo. C'est où? Ciudad del Este, à Paraguay. Au Paraguay. Donc ça, ce sont, voilà, que des missions secondaires, Briggs, des missions coop, Afghanistan, solo coop, Cobin. Et Cobin, il a pas mal de missions pour nous. Faudrait que je lui... Faudrait que je les fasse, hein. Éventuellement, peut-être en vidéo ou en stream, on pourrait streamer du Splinter Cell Blacklist éventuellement. Bien écoutez, c'est parti. Hop. Infiltrer le manoir du courtier terroriste. Les Américains à garder leur calme après l'opération American Consumption, première action des ingénieurs de la Blacklist sur notre sol. D'après les équipes de décontamination, l'attaque était de nature biologique, capable de faire plus de 2 millions de victimes dans Chicago et sa région. Ah oui. La réaction rapide du SWAT a permis d'éviter ce qui a failli devenir l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire de notre pays. Ah oui, quand même. Bon, comme vous pouvez le constater, on va devoir infiltrer le manoir d'un courtier terroriste qui réside au Paraguay. Et on va devoir l'interroger, donc une mission... intéressante puisqu'elle va être en milieu assez fermé, donc dans une villa. Donc je suppose déjà qu'il va falloir infiltrer le jardin, qu'il va y avoir plein de gardes. Alors, on va voir ça, donc lancer le briefing. C'est parti, je vous laisse profiter. Sam, on a un problème. Ah bon? Le net est inondé d'infos sur Cobin. On pense qu'apparemment il a conclu un marché avec l'oncle Sam. Comment ils l'ont su? Par nous. Nous? Ah. Grim ne t'a rien dit? On n'a rien trouvé de neuf après Chicago. Tu veux retrouver Sadik? Il faut un appart. Tu ne m'en as pas parlé avant. Donc toi, tu peux improviser quand tu veux, et nous, on doit juste exécuter les ordres. Ça oui. N'importe quoi de jeter Cobin au loup. Reza Nouri. Une heure après la fuite sur Cobin, mon email lui a été transféré une bonne douzaine de fois. Logiciel de pistage. Balise monopixel. C'est la meilleure photo qu'on a trouvée. Ouais, mais on a eu d'autres infos depuis. La NSA pense que Nouri a des liens avec l'Iran. Les images sont transférées. Merci. Waouh, mais putain. Sécurité, mal, dernier cri, garde issue de l'armée. Pas de soucis, Sam. Si tu veux débarquer dans une forteresse, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ah. Ouais, on marche tout de suite parce que j'ai... Enfin, c'est pas... Je vais le chercher. Ah, un nouveau gadget. Fais-moi rêver, Charlie. Vends-moi du rêve, écoute. Je ne demande que ça. Bah, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait? Ce regard, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Bah, à ton avis, bah, début de mission, voyons. Mais Anouri sait que tu as été arrêté. Il pense que t'as balancé des infos. Merde, comment il a appris? Pas de bol, je suppose. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiète? Je sais pas. Je fournis du matériel, il fournit du muscle. On a beaucoup d'amis communs. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, voilà. Densité et une IOM fusionnée dans un trirotor. Je résous encore des bugs, mais pour ce qui est de défoncer un système de sécurité... Et dans la mallette? Charge thermique. C'était pour des copains qui font des braques... Enfin, des missions. Ouais. Ajoute ça à mon équipe. Des braques... Des missions. Oui, 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 tout à fait. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Cobin?
Écoute, je connais peut-être un mec qui travaille à la sécurité de Nouri, je pourrais peut-être le contacter. Ouais. Sur vous. Mais contacte-le, écoute, très cher, ça m'arrangerait bien. En tout cas, ton trirotor a l'air très intéressant, on va pouvoir s'en servir, se faufiler dans les petits trous. Ça va être la fête de l'embuscade. Ah pour oui. Inverser les probabilités, l'IMS préconise d'utiliser des mines et des caméras. Ah ouais, des mines. Ah, pourquoi pas se faire un nouvel équipement, au lieu de prendre la méga armure sur perte cheatée. On va se créer un nouvel équipement, parler à Nagrim Zodir pour améliorer. Ah, flûte. Bon. Bah... Où on va peut-être changer celui-là. Alors, on va prendre combinaison. Alors là-dessus, je veux être méga furtif. Torse. Alors, my tactique, un truc hyper furtif. Non disponible. Terminer toutes les missions. Ah oui, d'accord. Protection. Combat. Ouais, furtif. Qu'est-ce qu'on a en furtif? Exclusif. Ouais, mais les exclusifs, ils sont un petit peu pétés. Bon, après, évidemment, je les ai pas toutes. E4. Fibre en Kevlar. J'ai de l'argent, hein. J'ai 757 000 $. Donc là, normalement, My Tactic. Ouais, mais c'est moisi en fait. Non, vaut mieux que je débloque les autres armures parce que celles-là, elles sont vraiment pourries au final. Vaut mieux que je débloque les autres. Quoique, est-ce que c'est pas en achetant? Non, vous voyez. Pour débloquer cet objet. Ouais, bon, au final, vaut mieux que je fasse les missions, que je débloque un peu tout, ce sera plus intéressant. Autant garder d'abord notre combinaison. Par contre, en lumière, je vais me faire plaisir. Ça coûte ça coûte cher, oui. Ça coûte vraiment très cher. J'avais envie d'un... Ouais, d'un rouge. On va l'acheter. 10 000. Acheter, équipé. Voilà. On aura des lumières rouges. Ensuite, au niveau... C'est où? Au niveau... Non, c'est pas au niveau... Ah, quoique, au niveau des lunettes. Zonar ambiant. Utiliser son ambiant pour localiser les cibles entre les pulsations. Ouh, c'est intéressant, ça. Imagerie colorisée. Améliore les lunettes avec analyse d'image colorisée à 15 mètres dans le menu radial. Ah, ça peut être ça. Ah ouais, c'est bien, ça. Haute fréquence. Zonar ambiant. Ça peut être bien, ça. Je vais l'acheter. Équiper. Sonar, quoique imagerie colorisée. Ça peut être sympa aussi, l'imagerie colorisée. Haute fréquence, ça fait quoi? Augmente la fréquence des pulsations et réduit la distorsion due au mouvement. Ouais, bon. Pas très intéressant. Longue portée. Et ça, on l'a pas débloqué encore. Lunette alpha. Ouah. Jouer à l'application mobile Splinter Cell Blacklist Spiderbot pour débloquer cet objet. Ouais, bon. Malheureusement, je ne pourrais pas. Je n'ai pas de périphérique assez puissante pour y jouer sur plateforme mobile. On va prendre peut-être le sonar ambiant. Ou l'imagerie colorisée. On va prendre l'imagerie colorisée, allez, j'ai envie. Niveau gadget. Donc caméra glu, ça j'ai déjà. Et je sais plus ce qu'il m'a dit d'autre, des mines. Des mines choc. Colle aux surfaces et lance des... Ah ouais, putain, on va prendre ça. Acheter, équipé. Hop. Les mines de proximité. Explose lorsqu'un ennemi s'en approche. Et lance des fléchettes électriques qui neutralisent tout ennemi qui s'approche. Ah ouais, fantôme. Ok, je vais prendre les fantômes. Ok, c'est parfait. Eh bien écoutez, nous sommes parés. Je vous propose de lancer la mission. Hein ? On va se lancer direct. On va essayer d'y aller pas en mode rush, mais de pas trop traîner. Essayer de faire ça correctement, joliment. Cobin a craché une info. Mais assez rapidement. Crois-le ou pas, mais oui. Nouri a installé une panic room. Mais le hic, c'est que la source de Cobin ne connaît pas son emplacement. Génial. Tu veux attendre ? Non. Ça pourrait se révéler avantageux. Hmm. On n'aura peut-être pas besoin de chercher Nouri s'il se terre dans un coin. Comment forcer Nouri à aller dans sa panic room? Dans sa panic room. On a accès au poste de sécurité pour trouver la dérivation et tout ira bien. Ça se trouve. Monsieur a une panic room. J'envoie tout sur ta montre terminale. D'accord. Bon, alors pour l'instant, on descend en rappel. Alors là, j'ai appris une technique aussi grâce à la vidéo de Monsieur de Rive. Une technique toute conne. On va prendre... Comment je fais pour prendre... voilà, l'arbalète. Donc j'ai le gaz... Attendez, je vais faire attention. J'ai le gaz soporifique. Je ne savais pas, mais on n'est pas obligé de toucher son adversaire pour pouvoir l'endormir. Voilà. On n'est pas obligé, donc déjà lui c'est fait. On peut tirer à côté et le gaz soporifique s'évapore au contact d'une surface. Donc que ce soit de la peau ou alors un mur, ben, ça fonctionne quand même. Donc... Au niveau des lunettes, donc on a l'imagerie colorisée. Ça c'est plutôt sympa, vous voyez. Donc ça se réfère par rapport aux sources de chaleur. Donc là je me mets en mode zonar avec les lunettes vertes. Ah merde. Là il a eu.
Hey. Voilà. Donc, deux mecs neutralisés. Normalement, c'est bon, je peux y aller. On va faire attention aussi aux lumières. Oh merde. Je crois que j'avais... J'ai cru avoir attiré un mec. Bon, on va se rapprocher. Bon, pour péter les lumières... On peut pas péter ça? Ça, ça se pète. Ah ouais, ça se pète. C'est bien ce qui me semblait. Et ça aussi. Oups. Donc, je suppose... Donc, mon objectif est à 70 mètres. Je crois qu'il y a quelqu'un juste ici. Ok, il y a quelqu'un. Ok, il y a quelqu'un. Viens par là. Donc, évidemment, je suis en pleine lumière, donc ça va être assez compliqué si jamais je dois... Non, c'est bon. Il a fait demi-tour. Donc, ce monsieur, écoutez, on va l'endormir. On va faire gaffe. Ah bah je peux voir ses traces de pas grâce aux imageries colorisées. Ok, donc on va se déplacer. Donc une porte verrouillée. Est-ce que je pourrais me déplacer éventuellement en grimpant sur le toit? Je ne pense pas. Ok, lui on va le neutraliser. Donc dans le garage, magnifique villa en tout cas. Superbe voiture. On va se faufiler. Lui, on va essayer de l'avoir. Non, on va passer en mode non létal, très cher ami. Là, pas besoin d'utiliser des caméras. Ah, il y a un portable. Vas-y, retourne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai un portable à pirater. Malheureusement, bon, il n'était pas de dos. Bon, on va le... Non, qu'est-ce que tu fais? Non, ah non, pince, pardon, fallait maintenir. Hop, on pirate le petit portable. Bon, malheureusement, le mec s'est retourné. Je n'ai pas eu l'effet de surprise que j'attendais, malheureusement. Ah, 40 000 dollars. Attention, un mec là, on va se cacher derrière la belle voiture de sport. Ah, il y a les chiens. Encore un type qui aime les chiens. Ah ouais, ça va se corser. Donc le chien, je le marque. Bon, faut faire attention, je vous rappelle que... Enfin, non, je vous l'avais peut-être jamais dit, mais les chiens... Enfin, si, vous en avez déjà vu. Si, si, je m'en rappelle. Les chiens, lorsque vous neutralisez des ennemis, il se peut qu'ils aillent, qu'ils le remarquent, qu'ils reniflent et évidemment qu'ils ferment votre trace. Bon, lui, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que je pourrais me déplacer Donc, la porte là-bas est complètement verrouillée. Faudrait que je me déplace sur les toits. Mais pour ça, faudrait que je neutralise le chien. On va essayer de faire... Regardez ce qu'on va faire. On va se décaler juste ici. Alors toi, faudrait pas faire foirer. Ok. J'ai foiré. Vous voyez, donc le gaz s'échappe dès qu'il touche une surface. Bien sûr, j'avais oublié de préciser quelque chose. Les flèches sont soumises aux lois de la gravité. Donc, plus vous tirez loin... plus va falloir donner plus d'inclinaison vers le haut avec votre arbalète. Donc là, ils sont deux. Je vais peut-être devoir être... Oh, le chien, paf. Le chien n'a rien vu. J'ai plus que trois carreaux. Va falloir que je fasse attention en attendant un point de recharge. Voilà, fait dodo. Bon, pour l'instant, je n'ai fait qu'utiliser mon arbalète, donc ils font tous dodo. Ils ne sont pas morts, hein. Ce serait bien que je puisse péter les phares. Donc, vous voyez, magnifique villa, hein, superbe. Nous, on se trimballe dans le jardin, comme il faut. Oula, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Alors, attention, j'entends des bruits de moteur. Donc, on va faire le tour. J'espère qu'il n'y a pas d'autres ennemis. On va passer en mode zonard pour l'instant. L'objectif est très 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 proche. Attention, accéder à la salle de la sécurité. Non, il n'y a personne. Ok.
Bon, une porte verrouillée là-bas, il n'y a pas de... De quoi récupérer des munitions, non? Non, bon. D'accord. Ah, si. Quand même. Non, même pas? Ah non, même pas. Ok, un ordinateur. Et il y a des zones de micro... De micro latence, là c'est bizarre. De micro lag. L'IMS avait raison. Ok. Je suis au poste de surveillance. Aucun ne m'a jamais résisté. Si tu connectes Charlie, on peut charger le signal vidéo dans l'IMS. On fera une reconnaissance faciale pour trouver Nouri. Je le tiens, Sam. Il rentre. La porte du balcon, c'est le point faible de la sécurité. Confirmé. Ok. Quelques zones c'est noté. D'ombre pourraient faciliter le trajet. Dans ce cas, il faut couper le jus. Je peux avoir une vue d'ensemble du domaine. Je l'envoie sur ta montre terminale. Le cabanon près de la piscine pompe beaucoup d'énergie. Il doit être lié au disjoncteur principal, sous terre. J'y vais. Le ok, bon. La fenêtre de derrière. On va devoir couper le jus. C'est fait. Ah, superbe. Ah, champion, Charlie, tu m'épates de plus en plus. Ah, et bien sûr, des munitions. Espace, bon, évidemment, on ne va pas changer. On va juste recharger. Ok, bon, là, on approche du jardin. Attention, couper l'électricité. On va devoir couper le jus de cette baraque. Bon, évidemment, ils vont se douter d'un truc, je pense. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas fluide. Ah, bah tiens, voilà, un mec. J'ai l'impression que c'est pas fluide, mais si, en fait. Bon. Le zona, en fait, il me permet juste de voir dans la nuit. J'ai l'impression que je me suis fait rouler là-dessus. Donc, il n'y a rien. Non, bon, je me suis trompé. Hop, c'est F, il descend. Est-ce que je peux passer par la flotte? Ah oui, je peux. Ah, mais c'est ça qui est génial en plus, je peux. Mais c'est qu'il y a des mecs en plus. Hop. Lui n'a rien compris. Je vais descendre par la cascade, écoutez. Mais tu peux pas descendre? Si, descend. Hop. Et en plus, voilà, ça me fait... 100 points pour exploration. Super, en plus de ça, je découvre des passages secrets. Donc là, j'ai entendu un chien. Ok, il y a un mec là, un mec là-bas. Ils sont marqués. Va falloir la jouer. Fino. On va se faufiler là. Ah, il sait pas. Putain, bah, pas mal la terrasse. Hein. Une salle à manger, un méchant barbecue. Tac, fait dodo. Magnifique, ça ne fait aucun bruit, c'est super. Oups. Passer par là. On n'est pas obligé de neutraliser tous les ennemis. Hein. C'est pas une obligation. Ok. Donc, lui, on va le... On va plus marquer. Lui, je ne l'avais pas vu. Alors, par contre, évidemment, il avait un chien. Ok. Oh non! Non, non, non! Mais. Alors là, c'était un très, 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 très gros fail. Je ne pouvais pas tirer à travers la barrière. Bon, ça m'apprendra. Mais non! Ah, génial. J'ai fait me faire opérer. En fait, j'ai tiré avec mon pistolet. Bon, c'était un gros fail. Je m'en excuse sincèrement. Non, parce qu'en fait, je ne pouvais pas tirer à travers la barrière. Il fallait que je me lève, en fait. Et résultat, je me suis fait couiller là-dessus. Donc, évidemment, là, le Gus qui va se ramener, ben, je vais le neutraliser. Vas-y, viens par là. Je suis bien. Viens par là. Voilà, fais dodo, t'inquiète pas, tout va bien. Je prends le contrôle. Voilà, dans tes fesses. Et on va faire un itinéraire. Ah. Oh, mince. Ah, mais j'ai pas rechargé. Superbe. Mince. Donc
là c'est une zone assez sensible. On va vite se cacher. Putain, je suis beaucoup trop pas découvert. Va falloir que je me cache. Il n'y a pas un moyen de grimper quelque part? Si, voilà. On va prendre de la hauteur. Hop. Bon, évidemment, ça ne servait à rien. Oh. Évidemment, je me suis fait repérer. C'est mort. On va se laisser tuer. Non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment explorer, connaître son terrain. Et évidemment, reprendre des ressources, des munitions. Ça pourrait être utile. Et lui, j'ai pas pu l'avoir. Fais dodo. Ah, mais il y avait un petit chemin ici. Je suis pas obligé de... Coucou, toi. Allez, hop, on y va. Par contre... Tu peux pas te baisser s'il te plaît? Ah oui, c'était ça. Ah oui, monsieur qui fait les barbecues. Oh. Je crois qu'on s'est mal compris, très cher. Résultat, celui qui est au-dessus, je vais pouvoir le neutraliser également. Oh. Magnifique. Magnifique. Donc maintenant, on va faire un topo. Donc nous avons le monsieur qui est là-bas. L'objectif est à 45 mètres. 45 mètres, pardon. Je vous rappelle que nous devons couper l'électricité. Donc le but, ça va être d'éliminer ce monsieur. Voilà, faut pas oublier qu'il y a un chien. Voilà. Donc, la voie est dégagée. Faut faire très très... Alors là, il y a un type qui regarde. Oh, j'ai loupé. Oh, j'ai complètement loupé. J'ai loupé sa tête. Ils m'ont repéré. Ah, mes mains, ils m'ont repéré. Non, là, c'est ma faute. C'est ma faute, je suis dégoûté. Je voulais pas me faire repérer une seule fois. Et en fait, le truc, c'est que comme un idiot... Ah, est-ce que je peux passer par là? Ah ouais, je... Ah non, je peux pas. Tac, ok, j'ai disparu. Vous ne me connaissez plus. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah voilà. Bon, objectif atteint. Ah, c'est maintenant que le tri-rotor entre en jeu. La télémétrie est bonne, pas de lag dans la transmission. Ok, c'est parti. Bon, je suis dégoûté pour la fin. J'ai loupé lamentablement ma fléchette. Bon, comme ils sont un peu cons, ils ont pas repéré. Donc nous voici aux commandes du tri-rotor. Donc c'est un petit avion, bah, à trois hélices, un tri-rotor comme ça. Attention, Sam, il fait encore et un peu de bruit. Se faufiler. Bricolé va pas nous aider. Absolument partout. T'inquiète pas. Voilà. Donc pour neutraliser les ennemis, on a une IEM intégrée. Alors monter, comment on fait? Ouais. On peut neutraliser les ennemis. Comment on fait pour descendre? Ouais. Le problème, c'est que ça fait du bruit. Voilà. Vu que pour l'instant. Il faut monter. Hop. Ouais, ça j'avais remarqué. Ok, donc on se balade dans les conduits. Alors par où? Non, ici on peut pas. Donc je suppose qu'on n'a pas de dégâts de, bien sûr, liés au choc contre les murs, bien sûr. Descendre. Attendez. Ah mince, j'ai pas pris le bon chemin. J'ai dû louper un croisement. Flûte, c'est par où? Oui, mais d'accord, mais en fait, je... Alors, à moins d'être complètement miro, mais descends. Là, je ne vois pas où est la sortie. Ah bah si, bah, d'accord, bah si, en fait, je suis complètement miro, et je suis stupide aussi un petit peu. Mais c'est pas grave. Ok, donc, alors lui, déjà... Ok Sam, tu arrives à un disjoncteur. Ok, neutralisé. Donc ça fait du bruit malheureusement. Donc il m'a pas repéré. Voilà, donc
les deux Gus présents dans cette salle neutralisés. On va pouvoir faire nos petites affaires tranquillement. En plus, on arrive dans la cave à vin. Magnifique. Hop, hop, hop. On se faufile gentiment ici. L'IEM est prêt. C'est parti. Et bam, que la fête commence. On a une confirmation visuelle. Le domaine est dans le noir. Oh. Nouri va s'enfermer dans sa panichrome. Elle se trouve. J'y travaille. Oups. J'ai repéré deux routes possibles dans le manoir. Le balcon ou une porte sur le côté. Je t'envoie les infos tout de suite. D'accord. Bon, alors là, bien sûr, on a de la visite. Y'a plus de tue. Terrifie le sous-sol. J'y vais. Putain, alors là, là, on va avoir de la visite. Ils sont beaucoup trop nombreux. Il me reste une munition dans mon arbalète. Alors, y'a peut-être... Non, mais tu m'as fait n'importe quoi. Là, j'ai joué comme une quiche. On a une confirmation visuelle, le domaine est dans le noir. Nouri va s'enfermer dans... Vraiment, comme une grosse quiche. J'ai fait n'importe quoi, en fait, parce que j'ai complètement loupé sa pète. Sa tête. Merde, on a un problème. Y'a plus de jus. Vérifie le sous-sol. J'y vais. Est-ce que je peux me faufiler derrière? Ok. Putain, le pot de fleurs. Enfin, c'est pas un pot de fleurs, mais c'est pas grave. Oh, bah tiens. Alors, on va utiliser l'arme secondaire. Donc le chien, voilà, comme ça c'est fait. Attention. Comment expliquez-moi comment. Oh là là, le maxi fail. Nouri va s'enfermer dans sa panic room. Elle se trouve. Allez, panic room. Bon, je vais capturer un type. On va y aller à fond. Les ballons. Ok, il y a des hommes postés sur les toits. Est-ce que je peux passer? Ah, mais là, je suis en pleine lumière. Là. Oh. Extraction annulée. Ah mince. Ok. Bon, ceci est un quadruple fail. Bon, finalement, cette mission est vraiment assez chaude. Non, je fais n'importe quoi. Donc là, je vais me concentrer. Nouri va s'enfermer dans sa panique. Et je vais faire un vrai gameplay. J'ai repéré deux routes possibles dans le manoir. Le balcon ou une porte sur le côté. Je t'envoie les infos tout de suite. Merde, on a un problème. Y'a plus de jus. Vérifie le sous-sol. J'y vais. Voilà. Ouh, toi t'as fait un sacré bond. Et il y a ton collègue qui ouais, qui est là. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Bon, maintenant, oups, faut pas que je me fasse surprendre par les chiens. Ok. Mince. Putain, le chien. Voilà, plus de chiens. Ça c'est fait. Maintenant, on va gentiment se faufiler par le conduit. Et on va... Sam, on a un problème. Sur l'IMS, j'ai un camion noir qui est passé plusieurs fois à côté de la propriété. J'entends parler farci sur des fréquences militaires. Garde un œil. Allez. Voilà, bouffe la rambarde. C'est à 11 mètres. Ok, tac. Est-ce que la porte est ouverte? J'ai l'impression. On a 5... Ah bah non, ils ont fermé les... Si. Oh si, c'est ouvert. Ah non, non, mais en fait, c'est... Oh, la chambre est en préfabriqué. Oui, c'est un alliage de titane ultra résistant. Ça devrait bien se voir avec tes lunettes. Sam, je suis en train de regarder les plans. Nouri a installé des lasers infrarouges qui déclencheront l'alarme si tu... Oui, je viens de remarquer toute une série de lasers.
Bon, on va faire gaffe. Hein. Non, on va faire très, très, très. Non, le zonard ne me permet pas. Ou lui il a pas apprécié lui. Donc attention. Merde. Voilà. On passe derrière le bar. Ah bah tiens, j'ai pas une clé USB, j'ai pas des. Fais un tour avec tes lunettes. RAS. Des terminaux à. Entendu. Passe au secteur suivant. À capturer, non? Très très mauvaise idée. On passe à la zone suivante. Oh merde. Il y a un mec qui arrive ici. Oh putain. Un homme à terre. Restez en alerte. Cherche des points faibles que tu peux percer pour entrer dans la pièce. Là ça devient très chaud. Il y a des endroits qui sont inaccessibles. Alors toi si tu montes ta tête. Voilà, parfait. Les gars, on peut avoir un problème. RAS. Entendu. Continue et garde l'œil ouvert. Ils sont sur plusieurs niveaux. Non, c'est pas la fouille. Il est encore là. Zone vérifiée. Alors toi. Reçu. On enchaîne sur la prochaine zone. Merde. Cobin pense qu'il y a un accès par l'étage du dessus. Ok, ça m'arrange. Ça m'arrange. Je suis désolé si je ne parle pas beaucoup, mais je suis ultra concentré pour vous proposer un gameplay plutôt intéressant. Enfin, j'espère. On va peut-être utiliser les gadgets, tiens, ce serait marrant. Oh. Ok, ils sont deux. Ils sont juste à l'étage, ok. Donc on va se rendre à l'étage. Qu'est-ce qu'on a comme gadget? Grenade fumigène, grenade flash, caméra glu. Ah, on pourrait se marrer avec les caméras glu. Donc, ok, comment ça se passe ici? Ok, un mec là. Vas-y, ça se passe. Je vais faire le tour. Zone sécurisée. Oh. Il est toujours là. Continuez à chercher. Ouvrez l'œil. Il est ici, quelque part. Y a rien ici. Oh, déployez-vous et continuez à chercher. Et merde. Bon, le dernier m'a vu. Et j'ai fait deux meurtres en combat, malheureusement. Mais je savais pas qu'ils étaient trois. Ils sont rapprochés super près, les salauds. Ah, 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 il me semblait bien avoir vu une clé USB, bah superbe. Bah ça c'est un bonus. Fais un tour avec tes lunettes. Oui. Ah, c'est un préfabriqué, c'est juste ici. Ah. Donc, la salle de bain. Dans la salle de bain, le bougre. Oh. Hey, hey, hey. Bonjour, je m'incruste chez toi. Si j'avais besoin d'argent, je me ferais une banque. Un Américain ? Vous n'êtes pas avec les Iraniens ? Un petit problème avec l'Iran ? On devrait peut-être d'abord régler le problème en cours. Oui. Sam, il y a voilà. Des bombes dehors. Troupes de sauf. Ils défoncent les portes. Je parie sur les hommes de la Al-Quds. Si vous parvenez à me faire sortir sain et sauf, j'aurai une récompense pour vous. Chaque homme a son prix.
Oh, j'ai pété ta, table basse en tech. Majid Sadiq. Malheureusement, même si je le connaissais, je ne pourrais rien dire. Mon business en dépend. Ah. Tu ne me dis rien qui vaille. En même temps, chaque règle a son exception. Je vous donnerai Sadiq. C'est malin. Suivez-moi. J'ai fait construire un tunnel secret sous la propriété. Il mène à mon port privé. D'accord, il a un port privé. On va devoir le défendre. Oh, ça va être génial. Attention, alors la mission d'escorte. Vous vous occupez d'eux et moi je reste ici jusqu'à ce que ce soit fait. Tenez-vous prêt. Mission d'escorte, infiltration. Donc deux types derrière. Ok, alors comment on va faire ça? Donc là va falloir. Oh. Ah. Bon là. Oh bah si, ça m'a content en furtif. Ils ont rien pigé. Donc il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous barre la route. Je les vois. Je vais pas bouger d'ici. Ils ont fait des. Ils ont des lumières, les salauds. Ils ont des lumières. Des lumières, des. Ils sont là. Restez calme. Ils ont des lunettes. Oh. Mais pourquoi il est parti se cacher là? Bon, attends. Suivez-moi. J'ai fait construire un tunnel secret sous la propriété. Oui, j'imagine bien. Mais le truc que tu comprends pas, c'est qu'il faut pas aller n'importe où. Tu vois, il y a des types avec des lunettes très méchants derrière. Vous occupez d'eux et moi je reste ici. Allez, amenez-vous. Amenez-vous. Bande de sacs. Et voilà. Louis. Alors, Mélan, tu vas faire très très attention. Oh. Il nous barre la route. Je les vois. Je vais pas bouger d'ici. Alors là, ça va être tendu. Là, ça va être très très tendu. Ils sont là. Restez calme. Non, pas vu. Exécution, les gars. Wouh. Bim. Bon, ils ont des lunettes thermiques, je crois. Il me semble. Ils ont le même type de lunettes que moi. Bon, peut-être pas colorisées, mais en tout cas, ils peuvent nous repérer derrière les murs. Donc, ça va être compliqué. Allez, c'est parti, on se taille. On est presque à l'entrée. Putain, mais elle est géante, ta baraque. Ça va, tu marches tranquille. Ouais, pépé. Ah, en plus, tu me traverses. Tu mets tes chaussures, non? Ah non, tu prends du vin. Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu... Mais allez, mais tu te bagnes. Oh. On s'approche d'une sortie. Donne-moi les options. Les options? La seule, c'est le fleuve. Le bateau sur le quai privé de Nourri. D'accord. Je peux récupérer une arme dans la cache un peu plus loin. Non, si on m'abat, ce sera pas dans le dos. D'accord. Tu veux bien courir, non? Ok. Évidemment, hop, on va se réarmer et on va pouvoir utiliser les... Vous voulez sortir? Alors parlez-moi, Sadiq. On a un simple arrangement. Il me donne de l'argent et moi, je lui envoie des soldats. À quoi servent les soldats? Ça ne me regarde pas. On y va. D'accord. Bah avance, hein. Écoute. Putain, quel décor. Quel décor. Non mais c'est quoi ces drôles de manières? C'est comme ça que vous traitez les gens sous votre protection? On se calme, ça vaudra mieux pour toi. D'accord, alors je peux changer d'épaule. Mince, je ne peux pas. Je suis obligé d'utiliser mon petit pistolet. Je peux changer d'épaule. Ok. Oh, alors là ça va être une zone tendue, les gars. Une zone très 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 tendue. Donc il y a un mec là-bas. Donc je l'ai repéré. Il approche sa tête. Il est mort. En plus il y a de l'eau. Alors bonjour, faut pas se faire repérer. Putain, mais j'ai l'impression qu'avec le Shadowplay là ça lag un peu là. Oh. Ouf. Ouf. Je suis désolé mais... je peux utiliser mon arbalète, ça c'est intéressant par contre. D'accord, je viens de dire que... Oui, gaz soporifique, c'est ça. Bon, ok, donc... Une moto ici. Alors, on va se faufiler. On va marcher rapido.
Est-ce par où? C'est par ici. Ok, une nouvelle zone. C'est vraiment magnifique. Ça, hein, c'est pas une bonne idée. Énerver les Alcods, c'était pas une bonne idée. Voilà ce que ça donne. Ouais, bah voilà. Oh. Vous avez vu, ils font flipper. Mais merde. Sam, des renforts de la Alcod. Oh, tu dors ? Putain ! Tu bouges, Sam. Oh là là, à cause de ça, cette arbalète à la con. Excusez-moi pour mon vocabulaire, mais là il faut le dire. Attends, regarde-moi ça. J'ai bombardé et gaz soporifique et le mec n'a rien senti. Bon, c'est où ton... Ah, c'est juste là. Bon, on est parti. Il y a un véhicule ennemi en approche, Sam. Dirige-toi vers le quai, tout de suite. Reçu. Ouais. Restez en vie. Oui, je veux bien, mais... Oh. Hop, 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 hop. Ne bougez pas. Bien, à vos ordres. Oh putain. Hop, putain. Faut qu'il reste en vie, faut qu'il reste en vie. Sam, un groupe d'assaut des Alcods arrive sur ta position. Reçu. Mais baisse-toi, vieux schlag. Bon, par contre, là, il me voit, je suis obligé de faire du combat. C'est un peu chaud d'être en furtif. Allez, ramenez-vous. Je veux pas être en... Hop. Bon, là, on va être obligé de faire du combat. Allez. Allez. Descends. Wouhou. Vous partiez sans moi? C'était le plan. Oh, oh. Reste mais assis. C'était un mauvais plan, a posteriori. Je veux des noms. Tenez. Tenez. Ce fichier contient les noms et les numéros de passeport des agents que j'ai envoyés à Sadie. Grim, je t'envoie un fichier depuis le téléphone de Nouri. Vérifie pour moi. Reçu. On n'a pas le temps. Vous croyez que j'ai confiance en vous? Ouais, j'adore avec. Ils vont bientôt tête. Nous rattraper. Ouais, on dirait bien. Je crois aussi, mais le bon. Le fichier de Nouri est bon. Sors de là. Allez, c'est parti. Oh yeah, succès débloqué, Nouri. Bon, bah c'était une mission compliquée. Bon, la fin, c'était n'importe, c'était du nawak. Hein. J'ai réalisé quand même 15 éliminations furtives. C'était mon but. Panthère 0. Furtif. Si, total panthère, j'en ai fait. Si, si, pardon, j'en ai fait. Je crois que j'ai même fait plus. J'ai fait plus de panthère que de furtif. Et assaut. Alors là, par contre, assaut. Une. Ah non, pas du tout. Si. Meurtre au combat, par contre, j'en ai fait beaucoup. 7. Bon. Voilà. Bon, vous voyez que le gameplay se situe plutôt entre furtif et panthère. Je vais essayer encore de m'améliorer, de passer complètement au niveau fantôme, mais c'est vraiment très compliqué. Mais c'est ça qui fait le sel de ce jeu, je le dis encore une fois. Bon, voilà. Virement a été fait. Superbe. 139 000 $, que demande le peuple? On va passer la piste. Est-ce que les infos de Nouri sont utiles? On recherche tous les numéros de passeport. On va bientôt pouvoir tracer la plupart des hommes de Sadik. Hey, pourquoi lui il part alors que moi je reste coincé ici? Parce que tu es utile ici, lui est utile dehors. Washington pense que l'Iran a des billes dans la blacklist. Nouri pourrait être un de leurs agents, et toi tu le laisses sur le terrain. Ça s'appelle révéler un atout. C'est une erreur. La situation avec l'Iran est trop instable. Je vois que tu as parlé à notre présidente. La prochaine fois que tu lui parles, n'oublie pas de lui parler de ça. Charlie? Un mouchard? J'ai eu l'idée grâce à ton traçage par email. J'ai installé un virus sur le téléphone de Nouri. On a le GPS, l'audio, les données et risque même d'infecter son ordinateur en téléphonant. On en obtiendra beaucoup plus de Nouri comme ça qu'en l'enfermant avec Cobin. Eh, hey, je suis pas d'accord. Tu t'en fous, si. Compris. Tu es d'accord. Tu nous réglis peut-être avec Washington. Moi, je ramène des infos. Tu vas déclencher une guerre. Sadik a déjà déclaré la guerre. À nous de trouver un moyen de l'arrêter. Sadik. Mais je sais même plus qui c'est, Sadik. On continue sur les passeports. Il nous faut une piste. Et tout de suite. Il parle de mec à chaque mission. Je ne sais plus qui sont ces gens. Bon, voilà, ce fut une superbe mission. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mission de Blacklist. Allez, salut à tous et portez-vous bien.